Pour l'actualité phare d'aujourd'hui, à Joal, un pêcheur transforme sa fille de 13 ans en objet sexuel. Une affaire d'inceste secoue Joal. Le pêcheur El Hadjian avait transformé sa fille de 13 ans en objet sexuel. Le papa violeur a été arrêté et déféré au parquet pour inceste présumé et viol répété sur une mineure. D'après l'Observateur, la fille a été violée depuis 2019 quand ses parents ont divorcé. À chaque fois qu'il prenait le déjeuner avec sa famille, le pêcheur se retire avec sa fille dans sa chambre et fait croire qu'il fait la sieste avec sa fille des Fatounians. En réalité, il profitait de ces moments pour abuser sexuellement d'elle. Manifestation du 23 juin, Tcherno Bokoum se prononce « Je ne suis pas de ce 23 juin-là. Halte à l'usurpation. » Le président de l'Alliance générationnelle pour les intérêts de la République, Agir, s'est démarqué de la manifestation du 23 juin ce mercredi. Dans une note transmise à un de nos confrères, l'opposant justifie son choix par l'incapacité de certains membres du dit mouvement de se prononcer clairement sur l'éventuel troisième mandat de Macky Sall. L'ancien député a également dénoncé ce qu'il considère comme une usurpation. Merci d'avoir écouté ce bulletin d'information. Restez sur Sénégal Net pour ne rien rater sur l'actualité au Sénégal.